Et parlons entrepreneuriat féminin. Women in Logistics Africa a organisé la deuxième édition de son forum annuel ce samedi 29 à Abidjan. Cet événement avait pour objectif de promouvoir la participation des femmes dans le secteur de la logistique en Afrique. La seconde édition s'est déroulée sous le thème « Construire une économie africaine intégrée grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, défis, opportunités et actions ». Le reportage est signé Michel Bro. C'est dans les locaux de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire que le rendez-vous du Forum WILA a permis aux participants d'échanger sur les défis et opportunités dans le domaine de la logistique en Afrique. Des représentants de ministères issus de la chaîne de valeur du transport, du commerce, de pouvoirs publics, secteur privé, ont à travers un panel discuté des stratégies en faveur de la supply chain logistique dans les zones de libre-échange. Encourager la gent féminine à un intérêt pour la chaîne de valeur de la logistique et des trajectoires pour le développement des corridors régionaux de transport ont été évoqués. Nous avons créé cette association panafricaine dans le but non seulement de valoriser nos métiers dans la supply chain partout en Afrique, mais aussi de valoriser le leadership des femmes, puisque nous sommes force de proposition auprès des pouvoirs publics, du secteur privé. Créée en avril 2021, WILA regroupe 17 pays de la sous-région, compte 500 membres actifs, avec pour vision d'être la référence des organisations de femmes dans le secteur de la supply chain logistique sur le continent africain.